Une tasse de thé peut-elle vraiment protéger votre cœur? Cela peut sembler trop simple, mais la réponse est un oui retentissant. Si vous luttez contre l'hypertension artérielle et cherchez un moyen naturel et efficace de la gérer, vous n'êtes pas seul. L'hypertension peut détruire silencieusement votre corps, augmentant le risque de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et d'insuffisance rénale. Choquamment, 45% des adultes aux États-Unis en souffrent et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Mais voici la bonne nouvelle. Une tasse quotidienne du bon thé pourrait être l'allié de la santé cardiaque que vous avez manqué. C'est vrai, ces thés sont bien plus que de simples boissons apaisantes. Dans cette vidéo, nous plongerons dans 5 thés incroyables, soutenus par la science et des siècles de sagesse, connus pour leur capacité à aider à réguler la pression artérielle. Que vous ayez besoin d'un moment de détente ou d'un moyen de renforcer votre santé cardiovasculaire, ces thés ont aussi montré qu'ils avaient un impact positif sur les niveaux de pression artérielle. Avec le stress de la vie quotidienne, trouver des moyens naturels de prendre soin de votre cœur n'a jamais été aussi important. Si vous êtes prêt à transformer votre routine de thé en une habitude bénéfique pour le cœur, continuez à regarder. En quelques deux minutes, vous apprendrez comment ces thés puissants peuvent facilement s'intégrer dans votre vie quotidienne et soutenir votre santé cardiaque. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et explorons ensemble le monde des thés BT bons pour le cœur. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. Numéro 1. Thé au basilic. Ce thé est bien plus sonyaki sont des kyoshistis sotil, bien plus qu'une boisson réconfortante. C'est un pilier pour la santé du cœur. Les maladies cardiovasculaires restent l'une des principales causes de hadesanson de décès dans le monde, souvent liées à des problèmes tels que l'hypertension artérielle, le cholestérol et l'inflammation. Le thé au basilic offre une solution naturelle pour lutter contre ces problèmes. L'un de ses avantages remarquables est ses propriétés anti-inflammatoires. Des composés bioactifs trouvés dans le basilic, tels que l'eugénol et l'acide rosmarinique, travaillent à réduire l'inflammation, un moteur clé des maladies cardiaques. En atténuant l'inflammation, le thé au basilic peut aider à prévenir l'accumulation de plaques dans les artères, réduisant considérablement le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a trouvé que le basilic, en particulier l'Osimum Sanctum, était rempli d'antioxydants puissants qui soutiennent une meilleure santé cardiaque. Ces antioxydants aident à réduire le stress oxydatif, un facteur majeur dans le développement des maladies cardiaques, en neutralisant les radicaux libres nocifs dans le corps. Le thé au basilic favorise également des niveaux sains de pression artérielle grâce à son contenu en potassium, qui aide à réguler les niveaux de sodium, assurant un meilleur contrôle de la pression artérielle. De plus, les phytochimiques du basilic stimulent bien la circulation, garantissant que votre cœur et d'autres organes vitaux reçoivent l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner de manière optimale. La recherche présentée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que le basilic joue un rôle significatif dans la gestion de la pression artérielle. Dans un essai clinique, les participants qui ont consommé de l'extrait de basilic ont vu des réductions notables de la pression artérielle systolique et diastolique. Ainsi, faire du thé au basilic une partie de votre routine quotidienne est un moyen simple et efficace de soutenir naturellement votre santé cardiovasculaire. Pourquoi ne pas préparer une tasse et la lever pour un cœur plus sain? Numéro 2. Thé à la cardamome. Le thé à la cardamome, avec son essence aromatique et savoureuse, ravit non seulement vos sens mais offre également de nombreux avantages pour la santé cardiaque. Connue comme la « reine des épices », la cardamome est célébrée pour ses composés puissants qui peuvent donner un sérieux coup de pouce à votre système cardiovasculaire. L'hypertension artérielle est un problème courant pour beaucoup, mais le thé à la cardamome pourrait être le remède naturel dont vous avez besoin pour aider à le garder sous contrôle. L'une des façons les plus remarquables par lesquelles le thé noir soutient la santé cardiovasculaire est en aidant à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Plusieurs études, dont une de l'American Chemical Society en 2002, ont révélé que le thé noir peut stimuler l'activité de l'insuline de manière étonnante, 15 fois plus.
Au-delà de cela, le thé noir modifie la façon dont votre corps métabolise le sucre, aidant à abaisser les niveaux globaux de sucre dans le sang. De plus, des recherches menées par l'Université d'Australie Occidentale ont montré que le thé noir peut aider à réduire la pression artérielle systolique et diastolique. Mais les avantages pour la santé cardiaque ne s'arrêtent pas là. Grâce à l'abondance de flavonoïdes, des antioxydants puissants trouvés dans le thé noir, votre cœur gagne encore plus de protection. Des recherches publiées dans le European Journal of Clinical Nutrition ont montré que les individus qui buvaient régulièrement du thé noir, environ 3 tasses par jour, avaient un risque 11% plus faible de développer une maladie cardiaque comparée à ceux qui n'en buvaient chadiveux pas. Le meilleur ? Le thé noir est incroyablement facile à intégrer dans votre routine quotidienne. Que ce soit associé au petit déjeuner ou apprécié tout au long de la journée, c'est un moyen pratique et délicieux de soutenir votre santé cardiovasculaire. Numéro 5, thé matcha. Le matcha est un type spécial de thé vert, mais il est bien plus puissant que votre infusion standard. Parce que le matcha est un fabriqué à partir de la feuille d'amasil de thé entière, il contient une quantité concentrée de nutriments, en particulier des catéchines, qui sont des antioxydants naturels. Selon la recherche, le matcha contient jusqu'à 137 fois plus de catéchines spécifiques que d'autres formes de thé vert. Ces antioxydants jouent un rôle critique dans la neutralisation des radicaux libres nocifs qui peuvent causer des dommages cellulaires et contribuer à des maladies chroniques, y compris les conditions cardiaques. Comme nous l'avons déjà discuté, le thé vert est connu pour ses avantages pour la santé cardiaque et le matcha va encore plus loin. On pense que le matcha abaisse le cholestérol total, le mauvais cholestérol LDL et les triglycérides tout en aidant également à prévenir l'oxydation du cholestérol LDL, un processus qui peut contribuer aux maladies cardiaques. Dans des études sur des animaux, des suppléments de matcha ont montré qu'ils réduisaient les dommages causés par les radicaux libres tout en améliorant l'activité antioxydante globale. Lorsque vous préparez du thé matcha, vous ne faites pas juste infuser des feuilles, vous consommez la feuille entière sous forme de poudre, vous permettant d'absorber tous les nutriments bénéfiques. Donc, si vous cherchez à améliorer votre jeu de thé et votre santé cardiaque à un niveau supérieur, le matcha est un excellent choix. Maintenir un mode de vie sain, couplé à un régime équilibré et à l'ajout de thé matcha, est un excellent moyen de garder votre cœur en bonne condition et de le protéger contre diverses maladies. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, il est important de se rappeler que la santé cardiaque nécessite plus que de simplement boire du thé. Vous devez faire un effort conscient pour intégrer d'autres changements de mode de vie positif. Cela signifie adopter un régime équilibré, pratiquer régulièrement de l'exercice et prendre d'autres décisions saines pour le cœur dans votre routine quotidienne. Se fier uniquement au thé que nous avons mentionné sans considérer ses autres pratiques de santé peut ne pas donner les meilleurs résultats. Et avec cela, nous concluons la vidéo d'aujourd'hui. Nous aimerions entendre vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, j'ai inclus certaines des études mentionnées dans cette vidéo dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer l'icône de la cloche pour être notifié lorsque la prochaine vidéo sera disponible. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Restez en bonne santé et prenez soin de vous. Des études révèlent que les antioxydants dans la cardamome peuvent aider à réduire de manière significative la pression artérielle en combattant le stress oxydatif et en favorisant la relaxation des vaisseaux sanguins. Siroter régulièrement du thé à la cardamome peut être un moyen apaisant et efficace de maintenir des niveaux sains de pression artérielle. La cardamome est également remplie de composés anti-inflammatoires qui réduisent l'inflammation dans les vaisseaux sanguins, abaissant le risque d'athérosclérose, le durcissement des artères et d'autres bêtes maladies cardiovasculaires. En ajoutant du thé à la cardamome à votre routine quotidienne, vous donnez à votre cœur une couche supplémentaire de protection contre l'inflammation. Maintenir des niveaux équilibrés de cholestérol est un autre aspect crucial de la santé cardiaque et le thé à la cardamome intervient ici en tant qu'allié puissant. Des recherches ont trouvé que la cardamome peut améliorer les profils lipidiques en augmentant les niveaux de cholestérol HDL, bon, et en réduisant le cholestérol LDL, mauvais. Cet équilibre sain est essentiel pour prévenir l'accumulation de plaques dans vos artères, garantissant un flux sanguin fluide et réduisant le risque de problèmes liés au cœur. Simplement, rendre le thé à la cardamome une partie de votre routine
peut être un moyen facile mais efficace de protéger votre système cardiovasculaire. Alors pourquoi ne pas vous préparer une tasse parfumée de thé à la cardamome, vous détendre et laisser votre cœur récolter les récompenses de cette merveille à base de plantes. Numéro 3. Thé au thym. Le thym, une herbe parfumée couramment trouvée dans les cuisines, est bien plus qu'un ingrédient culinaire de base. C'est aussi un compagnon puissant pour la santé du cœur. Inclure du thym dans votre alimentation peut être un moyen naturel et efficace de soutenir le bien-être cardiovasculaire. Des recherches ont y montré que l'extrait de thym possède une activité antioxydante puissante qui aide à neutraliser les radicaux libres et à réduire le stress oxydatif, l'un des principaux contributeurs aux dommages artériels. En protégeant vos artères du stress oxydatif, le thym peut aider à maintenir la santé artérielle et à prévenir des conditions comme l'athérosclérose. Le thym joue également un rôle dans la régulation du cholestérol. Une étude publiée dans Phytotherapy Research en 2014 a démontré que l'extrait de thym peut améliorer les profils lipidiques en abaissant le cholestérol LDL, mauvais, et en augmentant le cholestérol HDL, bon. Cet équilibre est crucial pour prévenir l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui pourrait autrement entraîner de graves problèmes cardiaques tels que des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. En outre, le thym peut influencer le contrôle de la pression artérielle. Ses antioxydants, ainsi que son effet potentiel sur le système rénine-ang-iotensine, qui régule la pression artérielle, peuvent aider à maintenir les niveaux de pression artérielle stables. Cela fait du thé au thym un ajout précieux à un mode de vie sain pour le cœur. Cependant, bien que le thé au thym soit généralement sûr lorsqu'il est consommé avec modération, il est important d'éviter une consommation excessive car cela peut causer des effets secondaires ou interagir avec certains médicaments. Profiter d'une tasse chaude de thé au thym ou incorporer du thym frais dans vos repas peut être un moyen simple mais puissant de soutenir naturellement votre santé cardiaque. Alors, pourquoi ne pas ajouter un peu de thym à votre routine et donner à votre cœur les soins qu'il mérite ? Numéro 4. Thé noir. Le thé noir est l'une des boissons les plus aimées dans le monde entier. Pour beaucoup de gens, une journée ne serait tout simplement pas complète sans au moins une, sinon plusieurs, tasses de thé noir. Mais le thé noir n'est pas seulement populaire pour sa saveur riche et sa capacité à améliorer la concentration, il a également un impact considérable sur la santé cardiaque.